On se retrouve avec un quotient de nombres complexes. Alors attention, je ne peux pas voir la partie réelle ni la partie imaginaire. Donc la technique de calcul, c'est de multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc le dénominateur, c'est lui, donc on va multiplier par son expression conjuguée. Je vais recopier d'une même couleur le numérateur. On avait comme dénominateur moins 4 plus 5i. Donc on a dit qu'on multipliait par son conjugué. Donc le conjugué de moins 4 plus 5i, c'est moins 4 moins 5i. Donc si je le fais en bas, je le fais en haut. Donc attention, ça c'était sur l'avant. Donc cette fois-ci, je vais m'intéresser à mon dénominateur. Puisque au dénominateur, j'ai ma forme z, z bar. Et je sais que dans ces cas-là, ça vaudra partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. La question, c'est de savoir qui est la partie réelle. Donc la partie réelle de moins 4 plus 5i, c'est moins 4. Donc ça va faire moins 4 au carré plus, alors attention, on met des parenthèses pour ne pas se tromper. La partie imaginaire, ici, c'est le nombre devant le i, c'est-à-dire plus 5. Donc plus 5 au carré. Au numérateur, on va en profiter pour développer. Donc je vais donner le 2 à moins 4 et le 2 à moins 5i. Et ensuite, on donnera le 3i à moins 4 et le 3i à moins 5i. On commence 2 fois moins 4, moins 8. 2 fois moins 5i, moins 10i. 3i fois moins 4, moins 12i. Alors attention, 3i fois moins 5i, donc les signes, ça va faire moins. 3 fois 5, 15. Et i fois i, i carré. On va pouvoir simplifier. Donc, moins 4 au carré, 16. Plus 25, 41. Et au numérateur, on va regrouper les éléments de la même famille. Donc ici, le moins 8, il est tout seul. Donc on voit qu'on a moins 10i, moins 12i, donc ça va en faire moins 22i. Et on se souvient, i carré, il vaudra ici moins 1. Donc moins 15 fois moins 1, plus 15. Donc en simplifiant, moins 8 plus 15, il va nous rester 7, moins 22i sur 41. Donc maintenant, c'est bien une forme algébrique, donc on pourrait conclure la solution S égale. Je pourrais même séparer vraiment la partie réelle, puisque 41, il divise aussi bien 7 que 22. Donc ce serait 7 sur 41, moins 22 sur 41, fois i. Comme ça, je vois bien qui est la partie réelle et qui est la partie imaginaire.